La chanson française, oui, alors. Ah oui, à 100%. Et puis les copains d'abord, ça reflète votre émission, parce que depuis que j'écoute, j'ai l'impression que c'est une grande famille qui est tout autour de vous. Oui, voilà, je dis souvent la grande famille d'RDB. Tout à fait. Une radio locale, il doit faire beaucoup avec du local, comme je dis, je rabâche souvent. Une autre question, là. Est-ce que vous aimeriez faire une émission sur une radio RDB, par exemple? Allez, vous êtes du chez là, vous voulez faire une émission. Qu'est-ce que vous feriez comme émission? Ah ben l'émission, je ne changerai pas grand-chose à ce que vous faites, parce que je trouve ça fantastique. Peut-être pas de patois, parce que le patois peut-être, ça vous... Moi ça me dérange, parce que je comprends pas trop, bien que j'ai été bercé par mes parents en écoutant des gens parler au patois, et je pensais tout à l'heure que c'est quand même dommage qu'à l'école, cette belle langue de patois, on ne l'apprenne pas aux enfants et qu'elle va se perdre. Mais vous savez, moi, une fois, j'étais puni, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, enfin, tous les premiers jours de l'école, j'ai voulu dire un mot en patois, parce que moi, même les parents parlaient patois. J'avais voulu dire barouste, et croyez-moi, c'est vrai, j'avais voulu dire barouste. Vous savez ce que c'est, une barouste? C'est une bourrouette. Je l'avais dit en patois, et bien le soir, avant de sortir de l'école, je l'ai quand même copié 50 fois. Et qui aurait dit qu'un jour je viendrais prêcher en patois, là? Oui, oui, comme quoi, hein. Ouais, il faut s'attendre à tout maintenant. Bon, alors, pendant qu'on continue notre discussion, là, bien sûr, avec Eric, parce qu'Eric, je suppose qu'il va rester jusqu'à la fin de l'émission, non? Avec il est plaisir. Venu pour prendre jusqu'à les 90 minutes. Hein. Ah, tout à fait. Mais attendez, écoutez, ça ne peut pas mieux tomber. On va changer notre programme. La première chanson des dédicaces tout à l'heure, hein. Mm-hmm. Ce qu'on va faire, ce sera Eric de Vernoux qui est avec moi, là. Mm-hmm. Fais du feu dans la cheminée. Vous le prenez? Pour la chanson, vous le prenez là, hein? Oui. Eh bien voilà, la chose est réglée, hein? Voilà. Ça ne peut pas bien tomber. La chose est réglée, c'est parfait. Et c'est pour Berthe de Saint-Basile, avec toutes ses filles et puis son fils Alain. Oui. Que j'embrasse très très fort. Eh bien c'est gentil. Et, voilà. Alors tous ensemble, on pourrait faire un petit truc à la Berthe. Eh oui. Ensemble, je vous dis, c'est une... Bon, RDB s'y prête bien. On va y souhaiter tous un bon anniversaire. J'ai ça sous la main, qui va arriver dans la seconde qui suit. Hein. La personne qui est derrière vous va patienter 30 secondes. Allez, pour Berthe de Saint-Basile, vous avez dit. Oui. Qu'elle a juste 20 ans passés. Hein. Voilà, on va dire ça. Allez, bon anniversaire. Merci à vous. Hein. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Ne quittez pas Marthe, pour le jeu après. D'accord. Allez. On retrouve Gilbert de Saint-Jean-Chambre. Allez, Gilbert avec Eric. Alors, on va voir s'ils s'entendent. Et Gilbert, changez rien. Allez-y. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Gilbert. Alors, bonsoir. Ah ben, on est voisins. Ouais. Chez Vernoux, mais... Eh oui. Bon, si ça se trouve, on se connaît. Que je m'en verrai pas. C'est fort possible. Ouais. C'est fort possible, puisque j'ai eu l'occasion de délivrer le courrier sur la commune de Saint-Jean-Chambre il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, mais donc il n'y a pas ça dans mes jours. Ouais. C'était votre facteur. Mais... Ah, ouais. Et oui. On va écouter vos dédicaces. Ah, ouais. Alors, donc, avec la dédicace, là, on va passer donc, à vous. Merci. Vous, Jojo et Gégé. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à Gué la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 berges, malgré les lourdes giboulées. Si
j'ai du frimas sur les lèvres, c'est que je veille à ses côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerveau. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on y va.